les ajouts du Game Pass là. Xbox Game Pass. Hein. Parfois avec mon Xbox Game Pass, avec des super catalogues de jeux, des jeux super, et tout ça, Xbox One, Xbox One, Xbox même. Donc normalement on s'attend à avoir des jeux en 2021 qui pètent, tu vois, qui pulsent. J'ai testé le premier là, Curse of the Dead Dogs. Tester, on va dire, j'ai dit, pas détester ça. Oui, on va détester ça. Bon. Ah là là, les jeux rétro indépendants. La lumière révèle les pièges cachés. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, tous les dégâts que vous subissez sont augmentés. C'était un bras de...
Ouais. Ouais. Et on est quand même à 10 minutes de jeu, hein. D'habitude, jauge de corruption. On va sauvegarder comme ça, les gars. Adieu. Ah, en fait ça me fait penser à Dead Cell. C'est pareil que Dead Cell mais version au-dessus et compliqué d'ailleurs. Parce que c'est pareil, t'avances et tu... D'accord, mais je vois plus bien. En fait t'avances jusqu'à ce que tu prêves. C'est ça.
première fois que tu rejoues ça. D'accord. Ouais, c'est ça. C'était de celle, hein. C'était de celle, c'est vrai. Là, c'est pas mon type de jeu du tout. Mais bon, il n'y a pas besoin d'une Xbox One X ou d'une même d'une Xbox One Series X pour jouer à un type de jeu pareil. Si vous avez gardé votre Xbox One 360, vous pouvez jouer à ce bon petit jeu. Si vous avez une Mega Drive, vous pouvez jouer aussi à ce bon petit jeu. Donc en gros, ben voilà, pour 2021, c'est un bon petit jeu qui sert pour les gamins à jouer sur la Xbox 360. Allez, ciao ciao. Merci de désinstaller ce jeu. 15 minutes quand même. 15 minutes, c'est bien, d'habitude 10 minutes.